fait qu'il y ait eu des attentats en France, bien sûr, ça m'a renforcé vraiment dans mon idée de défendre mon pays, défendre la nation contre le terrorisme. Ça m'a donné encore plus l'envie de faire ce métier pour vraiment défendre la patrie. Pour moi, la marine, c'est avant tout, c'est servir et aider les gens qui sont en détresse dans d'autres pays. Engagé, c'était par rapport à tout ce qui se passait pour protéger en priorité les personnes que j'aimais, mais aussi les valeurs de la France qui sont quand même importantes. Ça fait bizarre de se dire que son pays il est attaqué au sein même du pays. C'était pas genre une petite attaque juste comme ça. Surtout que c'était les attentats de Paris. C'est sûr que ça fait réfléchir à s'engager le plus vite possible. Ils ont à peine 20 ans, parfois moins. À quelques années près, nous aurions pu être parmi eux, être à leur place. Pourtant, jamais nous n'avons envisagé le choix des armes. La vie en uniforme, l'armée avec ses codes, ses rites et son autorité, ça ne nous attirait pas. Pas à cet âge-là. 20 ans, pour nous, c'était la liberté, l'indépendance. Alors pourquoi se fondre dans le cadre rigide du monde militaire? Se donner, au point de mettre sa vie en jeu quand elle ne fait que commencer? Ces questions, nous nous les sommes toujours posées. Et depuis janvier 2015, elles résonnent encore plus fort. La France, meurtrie par les attaques terroristes, porte sur son armée un nouveau regard. Partout à travers le pays, les centres de recrutement croulent sous les candidatures. Mais derrière le vernis sincère et généreux du patriotisme, se révèlent des mécanismes personnels et profonds. Comment accepter sinon les contraintes de la vie militaire? Que cherchent vraiment ces jeunes? L'aventure, la reconnaissance, des repères, ou peut-être simplement une place dans la société. Ça, ça coupe, hein? C'est quoi là tout déjà? C'est carreau. Carreau. T'es bête là? Non, je vois, c'est de la règle. Ah oui, mais attends, j'avais plein de cartes justement. Je m'en fous. On avait presque toutes les cartes à nous deux. Non, pas non. Non, mais. Non, mais si, j'ai pas le temps de regarder. D'accord. On s'en fout, à toi. Alors, je m'appelle Virgile, j'ai 23 ans. La première fois que j'annonce à ma mère que j'allais m'engager dans l'armée, elle a été quelque part fière de voir que j'allais poursuivre une route, un chemin, quelque chose qui me tenait à cœur, parce que c'est quand même un rêve de gamin en soi. Et elle pensait, au début, elle pensait vraiment pas que j'allais pouvoir m'engager dans l'armée. Et de me voir réussir ce rêve, elle a été très fière de moi et très contente. C'était un mercredi, je me rappellerai toujours, en février en plus. Je le croyais partir avec les copains. Et il est revenu en me donnant des papiers de l'armée, en me disant « tu signes ça, je pars à l'armée ». C'était l'année du bac. Je lui ai dit « tu es majeur au mois d'août ». D'abord, tu passes ton bac, la réponse des parents. Tu passes ton bac d'abord et au mois d'août, tu seras majeur, tu signeras tes papiers toi-même. Parce que personnellement, je ne le voyais pas partir à l'armée du tout. Pour moi, ce n'était pas possible pour lui. Bah, à ton départ, mon fils. À toi, Virgile. Merci. Allez, tienne. Ça me tarde d'avoir de l'action. T'as aucune appréhension, parce que quand on t'entend parler... À part la chaleur... Non, mais à part la chaleur... Pas la chaleur, hein. Genre, le seul point qui te dérange dans le fait d'aller à la guerre, c'est la chaleur. C'est la chaleur. Mais il n'aime pas la chaleur, il va dans les pays chauds. Non, mais c'est que les meilleurs qui ont été pris. Ouais, c'est de ceux qui... Non, ouais, sans fonctionner comme ça. Les mecs, ils peuvent compter, bien sûr.
C'est obligé d'avoir des mecs fiables. J'ai fini major de promo pour être sûr d'y aller. Ah, ouais. Sauf que tu t'es engagé pour ça. Je me suis engagé pour partir, c'est sûr, faut faire des missions. Hein. Bon, on est plutôt excités, on va dire, vu que c'est notre première opération, on est jeunes. Ah, tous votre première... Pour les jeunes, c'est notre première opération. Hein. Alors, ce qui me pousse à m'engager, c'est le goût de l'aventure, justement. Essayer de me trouver un peu, voir ce que je vaux, voir quelles sont mes limites. Physiquement, moralement, comment je peux tenir une fois sur le terrain. Si jamais je suis en situation de combat, comment je vais réagir, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je vais pouvoir faire. C'est vraiment quelque chose que aujourd'hui j'ignore et que j'aimerais bien apporter une réponse. Ça fait depuis juillet 2015 que j'attends ça, depuis que j'ai commencé les classes, que j'ai commencé à m'entraîner pour le départ. J'ai peur, ce serait mentir de dire que j'ai pas peur. Si on a un contact, enfin, si on rencontre l'ennemi, je sais vraiment, là, au jour d'aujourd'hui, je sais pas comment je vais réagir à la situation, donc... Oui, c'est sûr, je pense que je vais être quand même assez touché. Comme je l'élevais seul et fils unique, peut-être qu'il n'avait pas de repères masculins, peut-être ça. Bon, je sais qu'il connaissait des gens qui avaient été à l'armée aussi, donc voilà, peut-être pour se rapprocher, faire une famille qui n'a pas, vu qu'on n'est vraiment que tous les deux, ni papy, ni voilà, personne vraiment, que tous les deux. Peut-être qu'il a voulu prouver qu'il était l'homme de la maison, oui, peut-être qu'il a voulu s'affirmer dans quelque chose. C'est Cloa qui vous fait. On est voici. Voici. Ouais, allez, c'est parti. Voici. Voici, ouais. J'espère qu'il ne sera pas en retard. En fait, tu fais quoi la première semaine? Tu vas pas commencer les activités? Non, la première semaine, c'est temps d'acclimatation, amphi récapitulatif sur tout ce qui se passe là-bas. Déjà, il faut vous installer. C'est la première fois qu'on ne se verra pas pendant 4 mois. 4-5 mois même, vous avez fait. Ça va faire des vacances. Ce sera quand je vais rentrer à la maison, ça va être dur. Mais bon. C'est comme ça. Ah ouais. Je vais aller avec toi dans le char, je te plongerai. Je te plongerai. Voilà. Si tu transpires de trop, j'irai faire ta lessive. Prends soin de toi, mon fils. Le train à faire. Allez, va bientôt. N'hésite pas à nous contacter. Ouais, vous inquiétez pas, les gars. À destination de mais oui. Prenez garde. Dès que j'arrive là-bas, on se contacte. Moi donc c'est Evan, j'ai 22 ans, je suis ici depuis 7 mois de service et on a été promu première classe pour les 5 premiers de la promotion. C'est bizarre, c'est particulier, beaucoup de fierté mais un peu de pression quand même.
pour essayer de pas se louper. Faut se concentrer sur le chant, essayer de chanter pas trop faux alors qu'on n'est pas du tout des chanteurs. Et donner du volume pour que ça impressionne. Le chant, c'est fait pour impressionner. C'est un peu le but de l'armée. Montrer un peu la puissance et puis notre organisation. J'arrive là, j'enlève ma lame de la glace. Si je vois que ça s'enlève trop facilement, je viens dégager la mauvaise glace. Et là, je viens pointer ma glace avec ma lame. C'est bon ? Allez, vous repassez tous un coup et vous essayez de me dégager au maximum la glace. Je pensais entrer dans l'armée déjà depuis le lycée, j'ai fait un bac S. Après le lycée, mes parents m'ont quand même poussé à faire des études au cas où l'armée c'était pas possible ou que ça me plaisait pas. Du coup, je me suis lancé dans une prépa ingénieur. Et à la fin de cette prépa que j'avais validée, j'ai décidé d'arrêter. Les études c'était plus trop pour moi et je voulais m'engager vraiment au plus vite. Je voulais être pilote de chasse et en fait, au fur et à mesure que je me suis renseigné sur le métier, j'avais fait une préparation militaire avec l'armée de terre et c'était beaucoup plus le sens de la camaraderie qu'on retrouve ici qui m'intéressait, plutôt que le côté élitiste du métier de pilote. J'ai toujours aimé aider les gens. Après, forcément, rendre service, qu'est-ce que ça signifie ? Bah, quand on est comme nous et qu'on a des capacités, qu'on peut les mettre justement au service de son pays, au service des autres, alors qu'il y en a qui ne peuvent pas forcément faire ce que nous on fait. Moi, je trouve ça important. Ça serait bête de gâcher du potentiel alors que justement, on peut faire beaucoup plus. Quand on fait des sorties montagne, c'est encore plus important chez chasseurs alpins. Et encore plus le côté convivial qui se met en avant quand on est en montagne. Bah, c'est se soutenir quand on est sur le terrain, dans les moments difficiles, que ce soit professionnel par rapport à l'armée, à nos exercices, etc., qui ne sont pas toujours faciles, ou même carrément perso, quand on a besoin de parler avec quelqu'un. Généralement, il y a toujours 3-4 personnes qui sont là. De rigolade, de plaisanterie. C'est vrai qu'au niveau des relations personnelles, il y en a, ça peut devenir à la longue, on peut parler de frère d'armes. Moi, je vais faire une photo avec le sergent Cortez. Ouais. Je sais pas si on aura le temps. Hein. Ouais. Notre teammate, je suis pas sûr, ça vous prenez une photo et on redescend. Moi j'ai 3345, mais je pense qu'on est un peu plus haut, non ? 3400 normalement. Du coup, là derrière, c'est l'Italie, non ? Oui, il y a les collègues qui sont là-bas. C'est la Suisse, là. La Suisse, elle est à droite, là. C'est ça. Okay. Le sud. Ça remonte. Là, on est ouais, frontière avec la Suisse. Ok. Là. Comment ça va se passer, petite tradie dans les Alpins ? Donc, vous avez eu la tarte après la marche à la tarte. Après votre premier sommet de 3000, donc ce qui est le cas aujourd'hui, on est passé à 3400 et quelques. Donc vous pourrez couper le petit éton de la tarte. Pour ça, une petite cérémonie. Donc en premier lieu, vous allez tous baisser votre baudrier et votre pantalon, tremper un peu le cul dans la neige pendant 10 secondes. Et après, vous remettrez tout ça en place. Et après, vous irez voir les différents chefs d'équipe qui ont des couteaux. Ils vous couperont le téton. Le téton, vous l'avalez en même temps qu'une petite gorgée de Genépi. Ok ? Donc voilà. Vous pouvez tous desserrer votre baudrier, votre pantalon. Ouais. En plus, on est en premier ouais, en les sacs, c'est un peu pratique. Voilà. C'est bien, les gars, ouais.
Allez, c'est bon, vous pouvez remonter. Alors, ça peut figurer avant le baptême chasseur. Et on commence. Merci. Félicitations. Merci beaucoup. Non. Ça va être difficile pour vous. Vous êtes dans un nouveau monde. Les gradés et moi-même, on va vous accompagner. Mais il y a une chose qu'on va essayer de vous inculquer qui va vous permettre de supporter plus facilement les contraintes du monde militaire. C'est la cohésion. La cohésion, dans la marine, vous l'entendrez, ça sera l'esprit d'équipage. Puisque nous avons 5 semaines pour faire de vous des militaires et ensuite vous envoyer sur les forces. Je m'appelle Saïf Eddine, j'ai 20 ans. J'ai choisi la marine parce qu'on m'a encouragé du côté de ma famille. J'ai un cousin à ma mère qui est dans la marine et qui m'a donné l'envie et il m'a encouragé. Debout. 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 Assis. Tout le personnel que j'ai désigné, c'est coiffeur. Le tarif, c'est 10 euros. Donc vous verrez avec vos gradés pour prendre rendez-vous. Donc vous avez 24 heures pour rectifier votre coupe de cheveux. A savoir que le gel, à partir de maintenant, c'est fini. Je veux plus voir de gel. La coupe réglementaire dans la marine nationale, c'est 3 mm sur les côtés avec un dégradé et 7 mm sur le dessus. Voilà. Baissez les bras. C'est un 7. Quand j'ai reçu mon uniforme, une fois que je l'ai porté, je sentais vraiment que j'appartenais à la marine. D'appartenir à la marine, c'est défendre la même chose, avoir les mêmes valeurs, honneur, discipline et patrie. Garde ! Réactivité, on se réveille. Repos. Fixe ! C'est mieux. Revenez. À gauche. Gauche. À droite. Droite. Ben, on est tous dans le même bateau, comme on dit. On est tous ensemble, quoi. C'est différent de l'extérieur. On est tous ensemble, on est tous dans le même cadre et du coup, on est tous dans le même but de finir la formation dans les premiers. Quoi. Ah non, non, ils sont pas durs, ils... Comment dire ? Ils forment plutôt. C'est pour donner un petit peu la pression et pousser... à faire les choses bien. Je m'y attendais, c'est l'armée, quoi. C'est pas un travail facile, quoi. Il faut écouter, quoi. À des moments c'est dur. On est vachement posé justement. On est tout le temps dans le feu et après d'un coup bah c'est le calme plat pendant plusieurs jours. Et là bah
faut se mettre dedans, faut pas lâcher parce que bah, forcément c'est moins intéressant. Et puis bah, après, faut continuer. Dès qu'on retourne au tir, là on se retrouve, on se dit vraiment c'est ça le cœur du métier, et c'est vrai, ça remet dedans, ça remotive, et puis c'est vrai qu'on se dit bah voilà, c'est ça qu'on va utiliser vraiment quand on sera sur les théâtres d'opération, et c'est là où on se sent vraiment professionnel. On a fait des phases sympas, montagne, etc., mais du coup on délaisse un peu ce côté-là, et ce côté-là c'est quand même le cœur, et du coup quand on le retrouve, forcément ça remet un peu dedans, ça fait plaisir. Est-ce que tu as l'impression d'avoir tiré 5 fois là ? D'accord. Donc en fait, ce que le chef dit, tu t'en branles. Hein ? Tu pisses face à moi, c'est ça ? Deux fois, tu m'as fait une doublette. Je demande 5 coups par coup rapide. C'est bien ça la consigne ? Il faut vous imaginer que face à vous, vous avez de l'ennemi qui s'est découvert. Vous avez commencé à engager le feu et que ça tire pas. Ok, donc il faut aller vite pour pouvoir partir sur son pistolet automatique. C'est bien ça. Une de près et une côté chef. Ok. C'est là. Ah, ça se ressent à 15 mètres. Hein. L'arme au début, quand on la connaît pas, ça met la pression, on appréhende en fait, on a peur de faire une bêtise forcément. Après, quand on tire, on pense surtout c'est précision et tout ce qui est la position, etc., pour faire but, pour tirer correctement au niveau de la sécurité. Après, il y a d'autres exercices qu'on fait qui nous mettent en situation, et là, ouais, on se projette et on se dit que. Se mettre dedans, quoi. C'est-à-dire, quand on fait du combat dynamique où on bouge, on se poste, etc. Voilà, on se met vraiment dans la situation, un peu comme les gens qui jouent, ils rentrent dans leur jeu, nous on rentre dans ce jeu-là entre guillemets pour se mettre en situation, et c'est pour en faire plus des réflexes et quelque chose de naturel pour le jour où s'il arrive quelque chose, que ça déroule. Parce que si on commence à trop réfléchir à ce qu'il faut faire, etc. Forcément, il y a un moment où on est pris de court ou de vitesse et on réagit pas assez vite et c'est fini. Pour tout ce qui est arrivé de personnel, véhicule, sommation, visuel dans un premier temps, si ça marche pas, warning shot, si ça marche toujours pas, tir à détruire.
Attends. Il est pas. Oh, bah, chaque jour, on a besoin des autres. On est content quand ils sont là, quand on nous aide. Quand on va mal, il y a toujours quelqu'un qui est là pour nous aider, nous épauler. C'est toujours agréable de trouver quelqu'un à côté de soi. C'est pas trop mon truc d'être un solitaire, la vie en solitaire, c'est pas mon truc. Donc l'armée, c'est quelque chose de bien. Dès le début, pendant les classes, on apprend à, entre guillemets, subir ensemble, faire beaucoup d'activités physiques ensemble. Donc on crée des liens et aujourd'hui, j'ai beaucoup d'amis avec moi dans la section. Ce soir, ça a changé, on fait des ratatouilles avec les saucisses de Strasbourg et des pâtes. Et après pour les sans-porc, ce sera la même chose, ratatouille avec soit du thon, soit corned beef. Fais gaffe aux quantités, hein. Là il y a tout le monde. Là. On est combien ici? 48. C'est une BOAT, c'est-à-dire une base opérationnelle avancée tactique. C'est on met les véhicules en carré et les personnels, on se met à l'intérieur. En gros, c'est une espèce de bulle de sûreté autour de nous pour nous protéger. Il y a des postes armés à différents angles de la BOAT. Et oui, c'est la cohésion, on mange ensemble. Il y a toujours un chef popotier qui fait le repas pour tout le monde et c'est agréable. On pense à la journée qui s'est passée, à ce qu'on va faire demain, après au futur aussi. On pense à tout. De manière générale, je reste concentré, mais aussi j'ai toujours une pensée pour ma mère, pour ma famille, pour mes amis qui sont en France. C'est sûr. Ça aide à garder le sourire, garder le moral et ça aide à avancer. C'est bon ce truc. Hein. J'ai mis les pâtes ici. Ouais. Non, les rations, on n'aura quasiment rien mangé, hein. Perso. Moi, perso, j'ai mangé une ration ce midi, c'est la première fois que j'ai mangé depuis là. Ouais, moi, pareil, une petite gyophile, hein. Pas de bolognaise. Hein. Ah ouais. Mais sans eau, donc ça croustillait pas mal, quoi. Au niveau de l'ambiance, c'est Virgil qui commence un peu à le mettre dès le départ. Non. Non. En fait, on s'enferme dans la chambre. Ouais. Après, je sais pas, on sautait sur Geoffrey, sur son lit. Vu qu'on faisait les lits au carré, on prenait... ces boudins de drap, sa couverture, on l'a déplié, on l'a fait tout par terre. Ça a commencé comme ça en fait. Et après, ça partait en le lit au carré. Ouais. Fallait pas le toucher sinon, fallait tout recommencer. Donc, mon intention, c'est d'intercepter toutes les motos qu'on croise et qui rentreraient dans notre secteur. Demain, là, ça va être de prendre vachement d'espace pour essayer de couvrir un maximum de terrain. Et ensuite, donc il y aura un groupe à chaque coin. Ensuite, si vous voyez arriver une moto dans votre dispo et qu'elle arrive droit sur vous, bah, vous l'arrêtez, aucun problème. Si vous voyez qu'elle contourne, et bah, vous vous rendez compte. Et dans ces cas-là, par exemple, si elle contourne par la droite, et bah, ça va arriver pile dans le secteur du groupe qui sera ici. Okay, donc, ce sera à lui d'aller l'intercepter. Alors l'objectif de cette mission-là, c'est d'aller de village en village, prendre du renseignement sur les personnes, on va dire, hostiles qui vivent ici, voir avec la population s'ils ne les ont pas vus dans les parages, ce genre de choses. La population hostile, c'est les GAT, les GAS, c'est les groupements armés terroristes et groupements armés signataires. C'est tous ceux qui causent des problèmes ici dans le pays. On contribue à la sûreté de la France, on fait du renseignement, donc ça remonte en France. Et forcément, ça aide les autorités en France de lutter contre le terrorisme. Le fait qu'on soit là, on s'en sent vraiment utile. On sent que la population est vraiment avec nous. Et j'espère qu'on arrivera à les libérer des ennemis, enfin, des personnes hostiles. On va juste reconnaître le village qui est derrière nous. Il y a deux grosses parties, une à droite, une à gauche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diviser en deux.
Donc dès que le chef section a fini son contact, on se redirigera vers Golfe 3 pour faire le contrôle de zone. Fais l'approcher par là. Il peut être armé, il peut cacher un explosif, mais il ne faut pas avoir peur de ce qu'il y a devant nous. Au contraire, il faut montrer qu'on est fort face à la personne pour lui prouver qu'il ne peut pas faire grand-chose à côté de nous. Je peux voir votre téléphone, s'il vous plaît. Téléphone ? T'as la tablette à foncer, là ? Je peux le démonter ? Non, je peux pas le faire à la main. Ah, ouais. Sergent 22 ! Ouais, sa tablette, elle est démontée. Sergent 22 ! Je peux prendre ça ? Pour sa tablette ! Peace. Pour regarder dedans. Ouais, non, il y a pas de carte mémoire, il y a qu'une carte SIM. Il y a juste une carte SIM. Après, il y a une carte SIM. Mémoire ici. Ouais. Ah, si, ouais, si, il y en a. Allez, une. Regarde. Sergent, il y a bien une carte mémoire, on va regarder. Et le numéro IMEI. Merci. Voilà, tiens-le comme vas-y, ça. Vas-y, tente ta main. Ok, check. Tu peux l'ouvrir ? Mmh. Voilà, super. Il y a une carte mémoire aussi. Ok, nickel, on va vérifier. Je peux lui demander d'ouvrir son coffre. Il y a un coffre. Ah, qu'il est, il n'y en a pas. Il n'y a pas de coffre. Il n'y en a pas avec qui. Allez, là, c'est le au ciel. Ouais. Coffre, hein. Coffre, il n'y en a pas. Et là, d'abord. C'est le même modèle. Hein. Ouais, c'est le même modèle. C'est le même modèle. Après, ils ont été très coopératifs, ils sont venus d'eux-mêmes. Ouais, c'est là, il y a des enquêteurs. Il n'y a pas de plaque, je crois. On est arrivé au final sur les affectations les plus importantes. Le moment de stress aussi. Vous finissez l'école. La vraie vie va commencer maintenant. Kérine ! Septième, Lucie. Neuvième, Damien. Oui, j'étais stressé par rapport au classement et par rapport aux affectations, en espérant que je trouve ma place dans la marine. Quoi. J'avais besoin d'un truc encadré, notre instruction que le civil, un truc plus strict, plus direct, quoi. Aujourd'hui, je ressens une réussite, la fin d'un travail difficile. Matelot Saifedine. Matelot Saifedine, alerte fan Toulon, à besoin de commandant. Quand on est à l'alerte fan, quand on arrive, on prend la peine de dire qu'on veut naviguer, eh bien, on se retrouve grosso modo, à venir en renfort de tous les bâtiments qui partent faire des missions. Si bien qu'au bout de 2 ans, eh bien, on a acquis une expérience redoutable sur divers types de bateaux. Or, rappelez-vous ce que je vous ai dit, ce qui vous manque aujourd'hui, et c'est normal, c'est l'expérience. Et donc, vous vous êtes mis en position d'en acquérir beaucoup. Félicitations, et là encore, bons embarquements. Oui, je suis fier... Parce que j'ai accompli ma mission. J'ai fait mon maximum et je me retrouve où je voulais.
J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris des valeurs. On ne doit jamais laisser quelqu'un derrière et avancer tous ensemble. Allez, safe, c'est bon, tu peux larguer. Bon ? Ouais, c'est bon. Tu me laisses là-bas ? Allez, vas-y, tiens. Depuis tout petit, je vois la rade de Toulon à travers ma fenêtre. Pour moi, ça m'a toujours donné l'envie de faire partie de l'équipage, de voyager. Ce qui me plaît, c'est la mer déjà. Et la liberté. Tout à l'heure, j'ai eu mes affectations. Vous savez, j'ai pris Toulon. Eh ben c'est bien. Félicitations. Tant mieux. Au moins, tu seras à côté. On pourra toujours te voir. Hein? Au moins, ta mère ne le stressera pas. Au fil des semaines, Virgile, Evan et Seyfeddine ont entamé une profonde métamorphose. À chaque fois que nous les retrouvions, une certitude grandissait en nous. Consciemment ou non, s'engager dans l'armée, c'est d'abord s'engager dans une quête de soi-même. Une démarche radicale, catalysée par le choc ou le prétexte des attentats. Une démarche courageuse, mais avant tout intime. En 4 ou 5 ans, le temps de leur contrat, Evan, Virgile et Seyfeddine vont continuer à changer, à grandir. Entre moments de joie et instants de doute, entre fierté et frustration, dans un univers où le collectif prime toujours sur l'individu, charge à eux de s'affirmer, de devenir des hommes. Il est paré au lancer, nous allons lancer les moteurs. J'appuie sur l'air de lancement. Je sors ici. Hein. Voilà, je suis isolé là-bas. On apprend à vite connaître les gens plus rapidement que sur un gros bateau. Au bout d'une semaine, on les connaît presque tous. Et de toute façon, on est obligé de se connaître quoi, pour bien fonctionner. Je pense pas avoir changé, mais dans la tête, je pense avoir pris un peu plus confiance en moi. Et je pense avoir un peu grandi aussi. Je pense avoir accompli ce que je voulais. Très fier de moi, il me reste encore du parcours. Quoi. Thank you.
Là, ça fait 7 semaines. Clairement, on a 2 jours où on patrouille vraiment toute la journée. Après, le temps de ranger, tout ça. Donc, ensuite, on se douche, on se couche, on recommence le lendemain. Et après, entre les 2 journées, on a une journée d'alerte pendant laquelle on fait des instructions et un peu de sport, histoire de couper un petit peu. Et après, on réenchaîne sur des cycles et on a des quartiers libres toutes les 2 semaines. Oui, c'est super cyclique, ça passe lentement. Les premières semaines, ça va parce qu'il n'y a pas trop de routine, on n'a pas encore trop l'habitude. Et à partir de la 4e semaine, ça commence à s'installer. Et 6e semaine, c'est très lent. En surveillant un peu tout, les groupes, les mouvements de foule, des visages qui pourraient paraître suspects, si la personne a l'air stressée ou autre. Après, on fait attention aussi quand on passe près des véhicules. Il y en a, ça fait longtemps qu'ils sont là. D'autres, s'il n'y a rien d'anormal à l'intérieur. Et on fait attention un peu à tout, des sacs qui auraient été posés dans la rue, dans la gare. Après, on rencontre tout avec la police en relation et on gère les problèmes s'il y en a. C'est d'ailleurs ce qui est le plus dur, rester concentré tout le long sur du long terme. Faire attention tout le temps, regarder tout le long, en même temps faire la liaison avec les camarades pour être sûr qu'il n'y a rien. Tu vas suivre les voies de tram et après on prendra à gauche sur les voies piétonnes. C'est vraiment la première fois qu'on est tous menés dans la routine longtemps à toujours faire la même chose. C'est difficile à vivre parce que on est en France et à la fois on peut pas voir les familles, pas voir les copines et en même temps faut être concentré tout le temps, tous les jours, à chaque minute. Mais c'est comme ça, on le fait. Physiquement on s'en rend pas compte parce qu'on porte le matériel comme si c'était rien, mais on a quand même 30 kilos. Donc, c'est surtout les heures de sommeil qui sont pas énormes. Et puis toujours faire la même chose, toujours patrouiller. C'est plus une fatigue mentale que physique. Ça peut être bien justement de voir autre chose que la vie en France, voir un petit peu à côté comment ça se passe. C'est notre but, hein, quand on s'engage, c'est pour partir. Défendre les intérêts à l'étranger, parce que sur le sol français c'est bien, mais c'est quand même à l'étranger qu'on se sent le plus dans notre élément. Essentiellement, j'ai surtout fait de la garde. En gros, au niveau de la base, il y a des postes de sécurité qu'il faut justement, où on doit avoir une présence pour pouvoir filtrer les gens qui veulent rentrer, sécuriser toute la base pour les personnes vivant dedans. Et sinon, à part de la garde, on a fait des patrouilles. Généralement, on allait dans le centre-ville de Gallo, on était en véhicule, on allait dans une zone, on débarquait. Et on marchait, on parlait aux gens, voir si tout allait bien dans le coin où ils étaient. Je m'attendais pas vraiment à ça. Moi, je savais que j'allais bouger un peu, mais je pensais pas que ça allait être sous cette forme-là. Oui, est-ce que là-bas, tu te sentais en sécurité, en insécurité? Tu avais des inquiétudes? Très bonne question. Non, honnêtement, là-bas sur place,
J'étais pas vraiment dans un esprit d'insécurité parce que vu l'équipement qu'on avait... Mais quand tu partais en mission, c'était plus dangereux. Non, t'es tranquille. Le truc le plus dangereux là-bas, c'est les insectes. C'est les moustiques. Ah, c'est les moustiques là-bas. T'as jamais eu peur qu'il y en ait un devant vous qui saute sur une mine? Bah honnêtement, quand on part en mission, on partait généralement dans la brousse. Enfin, vous avez surtout du tout terrain, on n'était pas vraiment sur les axes principaux, les routes. Donc honnêtement, il y avait... Le risque bon, n'était pas nul, mais il y avait très très peu de chances qu'on tombe sur un IED au milieu du désert. Voilà. C'est vraiment une mission qui a été assez dure au niveau des conditions de vie. Il fait chaud, ce genre de choses. Et sinon, il y avait un peu un manque d'action, on va dire ça comme ça. Peut-être déception parce qu'on n'a pas pu vraiment avoir l'action qu'on avait envie. On s'entraînait... Pendant des longs mois, on a fait plusieurs camps, on s'entraînait et il se passait toujours quelque chose. Alors qu'arriver sur place, c'était un peu le calme plat, entre guillemets. Et oui, c'était un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Tu vois, il va neiger, on va plus pouvoir redescendre. Ils ont annoncé de la neige, hein, le week-end. Ouais. 800 mètres. C'est demain 800 mètres. Ce que vous faites, les jeunes, aujourd'hui, vous sortez le soir. Vous faites la teuf. Ouais, mes amis sont fans, mais après, les gens en général... Ah, ok, tout est moins dit, ok. Non, les gens en général, enfin, ça les intrigue un peu, donc j'essaie de leur parler brièvement, quand j'ai le temps, par-ci, par-là. Mais sinon, mes amis, oui, ils sont très contents de ce que j'ai fait. Sont fiers de moi. On ne s'intéresse pas assez à ce qu'ils font dans les pays comme ça, quand ils sont en OPEX. Ben voilà, ils y sont, bon, ben, je pense que c'est ça. Bon, voyez, il y en a qui sont partis, bon, ben, ils ont choisi ce métier, bon, ben voilà, ils y sont. Et je pense que tous, ils sont touchés par le fait qu'ils ne sont pas assez respectés, qu'ils ne sont pas assez soutenus. Je pense que ça peut jouer sur eux, oui, bien sûr. Parce que je pense que les gens ne voient pas assez ce qui se passe, ne voient pas assez... Leur mission exacte, quand ils sont partis tant de temps hors de chez eux, c'est pas facile. Hein. Un héros, je ne sais pas si vraiment c'est un héros, parce qu'ils sont plusieurs, il n'est pas tout seul. Il faut voir les autres aussi, chacun a sa place, chacun a sa mission, donc il est un héros parmi les autres, oui. Bien sûr, un héros parce que c'est mon fils. La suite sera vraiment dans l'armée, j'en suis pas arrivé où j'en suis actuellement pour partir du jour au lendemain. Je suis quelqu'un qui recherche vraiment l'action, l'aventure et je sais que dans les forces spéciales, c'est quelque chose qui a quotidiennement et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais réaliser. Je suis fier de ce que je fais, j'ai trouvé ma voie. J'ai fait mon maximum et je me retrouve où je voulais. Pour moi, le moment où on sera vraiment soldat, c'est le moment où on partira à l'extérieur faire une véritable opération.